Tâches accordées aux différents candidats. Alinéa 3. Une fois que le comptage est achevé, le président de la commission électorale proclame officiellement les résultats devant les électeurs. Si un second tour est nécessaire, la procédure de vote est reprise conformément aux dispositions statutaires et celles du présent code. Le président de la commission électorale informe les électeurs des dispositions qui s'appliquent à partir du deuxième tour et des tours subséquents. Article 25, proclamation des résultats définitifs. Lors de chaque tour d'élection, le président de la commission électorale proclame officiellement les résultats devant les électeurs. Le procès-verbal est rédigé puis signé par tous les membres de la commission électorale. Alinéa 2. La version finale du procès-verbal est transmise aux membres de l'Assemblée générale élective, aux autorités gouvernementales compétentes et au secrétariat général de la FECAFOOT et de l'association concernée. Il est consigné dans le registre des délibérations de l'Assemblée générale. Alinéa 3. Les bulletins ayant été utilisés effectivement pour le vote, y compris les bulletins nuls, sont scellés et transmis dans les 48 heures au secrétariat général de l'association concernée par la commission électorale en vue de leur archivage. Article 26. Constat de la procédure. Alinéa 1. Un huissier de justice ou tout autre officier ministériel agréé par les tribunaux assiste l'Assemblée générale élective établit un procès verbal. Alinéa 2. Sous l'autorité de la commission, il est notamment chargé de contrôler l'identité des votants et du respect du suivi de la procédure. Alinéa 27. Le ministre en charge de l'administration territoriale ou l'autorité administrative compétente et le ministre en charge des sports ou le délégué territorialement compétent désignent chacun deux observateurs aux assemblées générales électives des associations. Ces observateurs ne sont ni électeurs ni éligibles. Bon, l'alinéa suivant concerne les recours. Donc je pense que je peux vous dispenser de la lecture. Maintenant, pour ce qui est des modalités pratiques, telles que M. le Président a bien voulu vous l'indiquer, je vais commencer par vous présenter l'huissier de justice qui est en charge de contrôler la régularité des opérations électorales. Maître Béoli, huissier de justice en Bankomo. OK. Maintenant, Monsieur le Président a bien voulu préciser que les opérations électorales vont se dérouler en deux étapes. D'abord, nous allons commencer par l'élection du président de la FECAFOOT. Je vais vous présenter le bulletin de vote qui sera remis à chaque électeur. Donc, il s'agit d'un bulletin qui a été conçu selon le modèle du bulletin unique conformément au code électoral. Sur ce bulletin, vous voyez par exemple que les noms des 7 candidats sont indiqués. Je peux donner lecture. Bel Joseph Antoine, Bisson Egbe Emmanuel, Apiso Fangem Franc Hilaire, Mabouan Kessak Emmanuel, Seydou Bombo Joya Choua, Mongue Nyamsi Daniel et Tinda Patrick Hervé. Donc, ce qu'il va falloir faire, si vous optez de voter pour un candidat, vous faites tout simplement une croix dans la case qui est indiquée devant son nom. C'est un scrutin uninominal dont vous devez voter un seul président. Si jamais vous cochez deux cases, le bulletin est nul. Plus d'une case, le bulletin est nul. Étant donné qu'il est possible de ne pas dégager un président au premier tour, conformément au statut au code électoral, voici le bulletin prévu pour l'éventualité d'un second tour. Il est pratiquement le même que celui que je vous ai présenté. Maintenant, lorsque vous serez appelé, vous allez vous présenter devant le secrétariat technique qui va vous remettre un exemplaire de ce bulletin avec une enveloppe. Vous allez vous diriger vers le portique. Vous passez dans le portique parce que les téléphones portables ou tout autre élément qui peut permettre de filmer les bulletins sont interdits. Après être passé dans le portique, vous rentrez dans l'isoloir. Vous cochez le nom du candidat que vous avez choisi. Après, vous pliez le bulletin comme ça. Et vous le mettez dans l'enveloppe de cette façon. Quand vous l'avez mis dans l'enveloppe, vous revenez, vous le glissez dans l'urne. Vous revenez au secrétariat technique, vous émargez et vous rentrez à votre place. Et on dit à voter, je pense que Monsieur le Président. I think the process now is very clear. Oui. For everybody who has to vote for the delegates, yes. It's all clear.
you would have to get the document shown with the names of all the seven candidates, and then you just have to tick the candidate you're voting for before the purpose come out. Because from when even the president spoke, each and everyone, I've been observing very diligently to find out whether there was someone who would take the pains to say good morning or talk to us in the other language. So I think that we have reached a crucial stage, and it will be my pleasure that this other part, you explain it in English so that those who don't understand French will follow it well. Otherwise, you will be having what you call bulletin noise, many of them, because of lack of understanding. Thank you very much, sir. Can you tell me what your name, please? My name is Konso Chrysanthus from Buya. Mr. Konso. Southwest. I come from an English speaking territory. What? Wamba. Mr. Chrysanthus. Konso Chrysanthus. I'm here. Konso Chrysanthus. I just want to tell you that I present you apologize of the normalization committee, and I tell you that you are very right. Okay, thank you. But after Mr. President, excuse me, my English is not very good, but you will see that this document is in English. It is in English and in French. Now, if you are English speaking Cameroonian, you will read exactly and know what you are going to do. And at the same time, you have a headset. So if we have... Well, I think you understand it when the confusion is... Okay. Mr. President, I'm going to explain to you. Now, you need to explain it in English. With the authority... with the authority of the President of the Normalization Committee, with our observers from FIFA and CAF absolutely agreed on this point, sir, I am taking this opportunity not to translate everything that has been said, but to give the essential points which I feel could be a problem as Mr. Konso has raised. Essentially, what the lawyer has been explaining, first of all, presented her. She is the bailiff. Please, madam. Yes. She is the bailiff for this event. And she's going to take proper note of what is happening so that if there is any report to be given and rendered, she will render the report. So that's why she was introduced. The crucial part of it was when he came to the voting papers, the ballot papers, simply to facilitate the voting process. When it comes to the term of the president, there is just going to be a single ballot paper for each person. Yes, there will be a single ballot paper, and to facilitate the names of all the seven candidates have been put on this ballot paper. And why their names were printed out was because of the fear that in writing there could be some errors in spelling the names. So the names are all here, and all you need to do is put a cross in the box directly opposite the name that you have chosen. If you choose two names, it becomes null and void. This will be for the first round. And this first round, after an absolute majority has not been obtained, they'll go for the second round. And when they're going for the second round, you are handed this paper with the green, with the yellow underneath, and the procedure will be the same. That time, you still look at it,
and you just put a cross in the box opposite the name that you have chosen. And without Mr. President, I was itching because I knew that before the end of today, you will give me an opportunity to talk. I knew. So please, on behalf of the Normalization Committee, on behalf of our fathers who are sitting here, and on behalf of the Technical Committee, I would like that you accept the apologies of the President of the Normalization Committee. And I want to assure you that if we get to any point where it becomes too technical for explanation in one language, I will take my responsibility. Thank you very much. Bon, je dois aussi vous indiquer qu'après l'élection du président de l'Afrikafood, la même opération d'explication sera reprise pour l'élection des membres du comité exécutif. Merci. So it's clear that after the election of the president of Afrikafood, we are going to do the same thing for the member of executive committee. So it's clear outside you have security officials not to allow any persons come inside. So, of course, you've gotten the explanation already from Jomo Kevin in English on what should be done. Sa Majesté Egbe et Monsieur Balogun, c'est les deux seules interventions que nous prendrons. Merci, Votre Grâce. Je l'ai sollicité tout simplement pour faire une petite observation, si ce serait possible. Vous n'en disconviendrez pas avec moi que nous n'avions eu que 4 jours, moins même que 4 jours, depuis la publication officielle de la liste des candidats retenus. Je ne pense pas qu'il y a un candidat ici qui a pu parcourir les 10 régions pour se présenter physiquement. J'aurais pu vous demander, s'il vous plaît, et cela vaut justement pour les huissiers, de bien vouloir constater si les 7 candidats sont bel et bien là, afin de permettre aux scrutateurs de les connaître physiquement, s'il vous plaît. I'm just like trying to appeal to the president of the normalization committee to allow the 7 candidates to stand right there so that you guys can see them physically, because we didn't have enough time to go into all the regions, please. And that is to permit also the bailiff to effectively know if all the 7 candidates are in this hall. Thank you. Bonjour tout le monde, je m'appelle Balog John. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je crois que vous connaissez le nom, mais c'est moi-même. Je voulais juste révéler quelque chose. Que sachez que je parle aux délégués, que ces élections, c'est une élection de la Fédération Camerounaise de football. Ce n'est pas une élection d'un ministre, ce n'est pas une élection pour le gouvernement. Je parle d'ailleurs sous le contrôle du président de la FIFA, qui... Normalement, nous savons tous qu'il est interdit pour le gouvernement, les membres du gouvernement, d'intervenir sur nos affaires de football. Et combien de fois les élections? Parce que tout à l'heure, nous sommes dans les réseaux sociaux, on a même utilisé, comme d'habitude, le Camerounais, pour dire que le chef de l'État a donné les instructions pour qu'on puisse voter certains candidats. J'ai dit, c'est faux. D'autres disent même dans certains remèdes dehors, pour dire que certains ministres ont donné l'ordre pour qu'on vote certains candidats, c'est faux. Nous sommes dans la transparence. Depuis hier, ça se déroule très bien. Nous pensons qu'on va terminer sans problème. Chacun de nous doit aller aux unes, vote celui qui estime que son projet doit intéresser. Et à la fin du dépouillement, nous restons faibles. Celui qui a gagné, salue celui qui a perdu. Je vous remercie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut que je parle. S'il vous plaît. S'il vous plaît. John, on vous a suivi. S'il vous plaît, je l'ai indiqué, j'ai donné la parole à deux personnes. Les deux personnes ont parlé, nous passons au vote. At this moment, is to set the stage clear for him. Je suis désolé, je ne peux plus passer de parole. Et on va suivre. Je suis désolé. I'm sorry. Le vote, parce que le président Maître de Diapi indique à toute l'Assemblée que le vote va bel et bien commencer. Désolé. Monsieur le Président, soyez...
Bon, ok, vous le notez et vous ferez votre réflexion plus tard. J'ai indiqué que je prenais deux... Je vais répondre donc aux deux intervenants. Le premier intervenant, c'était M. Egbe. Je voudrais simplement dire que il n'est pas prévu de mener une campagne électorale ici. Ça fait depuis... Non, Serge Fasgué, it's a little tense moment right now because some people want to. Before now, the candidate Bisson got up and said he would want to talk to the different delegates, and then the Metro Happy is saying that it's not possible. He does not want to open up for any electoral campaigns here. So that is where the debate is now. So there you can have Frank Happy. Who is also protesting very strongly. Surely the candidate would want to talk to the delegates to be able to show that they have convinced the delegates enough. That is what has caused the standoff so much at this moment. What happens? Should they allow the candidate to speak to the delegates? Metro Happy, who is the president of the Normalization Committee, does not want it. He does not want this order. That is where we are right now. Tout à fait. Le candidat Emmanuel Bisson, qui a sollicité de la part du président du comité de normalisation que les différents délégués puissent voir tous les candidats. On va donc suivre la décision de Maître Dieudonné Happy, ce qu'il en est exactement. S'il vous plaît, je voudrais réagir par rapport aux deux intervenants, M. Egbe. Et M. Balogia. S'agissant de M. Egbe, je voudrais indiquer que la campagne électorale a déjà eu lieu. Néanmoins, dans un souci de transparence, d'équité, nous allons exceptionnellement permettre aux candidats, à tous les candidats, qui le veulent bien évidemment, d'avoir, je crois, 3 minutes, 2 minutes pour battre campagne. So ici, Frank Happy. Je voudrais également, relativement aux indications de monsieur, à l'intervention, autant pour moi, de monsieur Balogun. Je crois avoir déjà eu à intervenir à maintes reprises pour rassurer tous les électeurs d'arrêter de faire croire que le gouvernement intervient dans les affaires de la Fédération camerounaise de football. Le gouvernement n'y intervient pas. J'ai eu l'occasion de le dire sur les chaînes de télévision. J'ai été reçu et je prends mes responsabilités par le Premier ministre. En personne, ce n'est pas quelqu'un qui l'a envoyé me le dire. Et voici comment il m'a posé la question. Je l'ai dit également à la télévision. Quel est le candidat du gouvernement? Je lui ai dit, monsieur le Premier ministre, je ne sais pas, à moins qu'il y en ait un, mais on ne me l'a jamais dit. Et le Premier ministre, monsieur Yan Filemon, m'a dit, sachez que le gouvernement n'a aucun candidat. La personne que nous voulons, à la tête de la Fédération camerounaise, c'est un Camerounais compétent et patriote. Donc, je vous réponds, monsieur. Maintenant, les candidats ont chacun 2 minutes pour battre campagne. Dans l'ordre, n'est-ce pas, qui est sur le bulletin. That means that we have ceux qui le veulent, bien évidemment. Hein, si quelqu'un 14 minutes to go because now. Si vous le voulez, vous prenez la parole. 7 candidates, 2 minutes each. So we have 14 minutes of campaign before the votes. Tout à fait. On va donc écouter les candidats qui vont une fois de plus battre campagne parce que la campagne
qu'ils ont eu à bas tout au long de plus. C'était une campagne de proximité. Le président Bel Joseph Antoine. Bel Joseph Antoine is coming with a rich curriculum vitae. For those of who heard his speech. Bonjour à tous. Vous aurez remarqué que je n'ai pas demandé la parole, mais on me la donne. Je la prends un peu. Un peu pour dire que si vous êtes à une élection de foot, vous savez donc que j'ai été footballeur. Et en tant que footballeur, dans ma longue carrière, j'ai connu des matchs comme celui-ci, où après des semaines d'entraînement, l'entraîneur, croyant avoir tout dit, vient le jour du match et dispose les maillots dans le vestiaire et dit à son groupe que celui qui se sent capable prenne le maillot de son poste. Aujourd'hui, c'est votre tour. Le Cameroun, vous savez dans quelle situation il se trouve et vous savez dans quelle situation se trouve le football camerounais. Au Cameroun, comme dans le monde. Eh bien, chers frères camerounais, que celui qui aime son pays choisisse le candidat qui fera honneur à son pays. Frères camerounais, nous allons voter. Nous allons voter. Nous allons voter au nom du Cameroun. C'est comme ça que nous défendions les Lions Indomptables. Merci. That was very short there. But one of the things we should underline very quickly is that the government has no hand in choosing a candidate, Monsieur, like it has been whispered in the social media. And that's Bel Joseph Antoine. Je vous indique que le temps est chronométré par la FIFA. Understanding Serge Fasgeda, he's the one who asked. Madame, Monsieur, bonjour. Bisson, for the campaign. Je pense qu'il est... C'est bon? Bonjour. Monsieur le Président, mille fois merci. Parce qu'il était question que mes frères et mes sœurs, les délégués, puissent ne serait-ce que voir le coup type que je suis. Candidat très rassembleur, que vous le connaissez très bien, je veux devoir m'abstenir dans ces élections. J'ai donné place à M. Hervé Tchinda, à qui je fais confiance, qui m'a proposé quelque chose de meilleur, qui m'a montré qu'il avait plus de points que moi. Je veux devoir demander à tous ceux qui étaient derrière moi, vous vous connaissez très bien, de lui faire confiance et de le voter. Par la suite, ça a toujours été mon idée. Je l'ai dit au président il y a quelques mois et certains autres. Nous voulons une FECAFOOT fort. Ensemble, nous pouvons le bâtir. Nous ne sommes que 7 candidats. Inutile de se voiler la face. La FECAFOOT a plus d'une vingtaine de positions là-dedans qui sont importantes. Tout le monde, tous les 7 candidats peuvent être dans la maison. Facilitons le travail de le comité de la normalisation. Ils ont fait un bon travail. Si nous, les candidats, on veut les féliciter, ensemble, on peut le faire. Facilitons le travail. Ladies and gentlemen, I wouldn't be long. Please, together, we can make it together. We have just 7 candidates, but you have more than 20 positions in FECAFOOT. If we are in there together, we can do a good job. So I thank you, please. Thank you. In Alliance, Emmanuel Bisson-Egbe, qui va donc donner... 2 minutes, c'est pas petit. Qui s'allie donc à Hervé Patrick Tinda. Il demande donc à tous ceux qui le soutiennent de soutenir Hervé Patrick Tinda. So now that Emmanuel Bisson has handed over his vote over to Tinda, the candidate Tinda, who was supposed... Hervé Patrick Tinda. So that should be good news for Hervé Patrick Tinda. On écoute Franck Appy. À cette assemblée, candidat à cette élection, amputé de 10 voix, les 10 voix de la Ligue de football professionnel. C'est la première fois dans une élection à la FIFA que le monde professionnel ne participe pas au vote. Mais nous n'avons pas souhaité bloquer ces travaux et nous avons décidé d'y aller. D'y aller parce que l'heure est grave. Si nous ne faisons rien, et je prends à témoin les propos du président du comité de normalisation, qui nous a brillamment exposé que ces élections, l'adoption des
des comptes hier s'est bien déroulé parce que 70% du collège électoral avait été renouvelé. Je milite et je vote pour un renouvellement des délégués et des membres du comité exécutif à 70%. Qu'on voit de nouvelles faces, pas des gens qui sont partis et qui reviennent. Revenir pour faire quoi? Comme l'heure est grave, comme nous avons besoin de représentation parce que la place du Cameroun est en danger dans les institutions internationales, le retrait de la CAN est là pour le démontrer. J'ai choisi et j'ai décidé d'être ici pour donner ma place à Joseph-Antoine Bell. Je vous demande de porter vos voix sur Joseph-Antoine Bell pour qu'il porte notre voix là où il faut pour redonner de la place au Cameroun dans les institutions internationales. Nous avons besoin d'un comité exécutif fort, mais nous avons aussi besoin d'un président fort. Nous n'avons pas besoin d'un président en pilotage. Nous avons besoin d'un président fort. Et Joseph-Antoine Bell, for me, is a strong candidate, is a strong president. With a strong executive committee, we can do a good job together. And of course, as Egbe said, we will still be all there, the losers of today and the winners of today, to gather and work for this new Fekafoot food. That is why I'm standing here and I'm saying, thank you very much. Give the voice to Joseph-Antoine Bell. It's all beginning, interesting. The second alliance has been formed. Happy Soho Fangem Frank Hille has handed Monsieur over his votes to Bell Joseph Antoine. So it's already a very strong alliance there, Fasgay, Bell Antoine and Frank Happy. On avait parlé des alliances et on a dit de vivre en direct ces alliances-là. Emmanuel Mabon, question. Bonsoir à tous. Je voulais d'abord dire merci au comité qui m'a permis de me présenter aujourd'hui. Peut-être c'est la première fois. J'ai rencontré pas mal de délégués. Je voulais féliciter le comité d'organisation, de normalisation d'abord. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde dans la salle, je vois les acteurs de football. Ce n'est qu'un début. Parce que quand je regarde les jeunes éducateurs qui entraîne tous les jours, se retrouver au comité exécutif, je me reconnais là-dedans, que voilà le monde du football. Auparavant, on avait parfois dans le comité exécutif des gens qui n'avaient rien à voir dans le football. Mais je dis, ici présentement, je félicite la Fédération Camerounaise de football, parce que s'il n'y avait pas de foot, je suis parti d'un village à Bafia pour être aujourd'hui, j'ai joué professionnel, j'ai fait tous les métiers. Je suis président de club. Je sais qu'au quotidien, les présidents souffrent. S'il n'y a pas de président, il n'y a pas de foot. Et je voulais dire merci au comité de normalisation parce que c'est varié. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de changement. Il faut changer, que les clans finissent. Votez celui que vous voyez, que vous pouvez côtoyer tous les jours, qui peut travailler pour le football. Les choses ont changé dans le monde. Votez le meilleur. Merci. Monsieur Seydou Mbombo Njoya. Mes chers amis délégués, je voudrais tout simplement vous dire que je vous ai rencontrés tous. Je crois qu'on a échangé et je vous ai transmis, parlé de mon programme et la nécessité de tourner la page et de repartir sur de nouvelles bases, la base, sur des nouvelles bases de reconstruction, de refondation de notre football. J'ai aussi insisté plusieurs fois sur la question du rassemblement. Rassembler cette famille qui s'est désunie, qui s'est déchirée, et aujourd'hui qui a une opportunité qui se présente à elle pour repartir ensemble, pour un nouveau départ, pour un nouveau changement, avec
du vieux, du jeune, ce n'est pas là le plus important. Ce qui est important, c'est les méthodes de gestion, de gouvernance qui doivent changer. C'est la revalorisation de l'éthique. Mettre l'éthique en avant, c'est la chose la plus importante que nous devons faire aujourd'hui. Pour ne pas faire très long, Monsieur le Président, je voudrais en passant remercier la FIFA pour sa patience et son implication dans ce processus de normalisation, et vous-même et votre équipe, Monsieur le Président, pour le travail très important que vous avez fait qui tire à sa fin aujourd'hui. Et enfin, pour les autorités camerounaises qui ont su être patientes et qui ont su accompagner ce processus de normalisation à son terme et qui arrive aujourd'hui quasiment à la fin de son processus. Je vous remercie pour votre attention et je compte sur vous pour faire le choix historique, parce que c'est un choix historique qui vous est donné de mettre un terme à 5 ans de léthargie de crise. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi de commencer mon propos par une remarque interpellative. Je souhaite effectivement que cette remarque soit portée dans le compte-rendu de cette journée. Je voudrais commencer par dire que j'exprime ma frustration parce que je n'ai pas le droit au vote, bien que candidat. Vous voyez l'étonnement de tout le monde. Simplement parce qu'il est dit dans les textes que ce sont les délégués qui votent. Mais ces mêmes textes ne disent pas qu'il est interdit aux candidats de voter. Donc, c'est un pavé que je jette comme ça dans la mare pour qu'on puisse réfléchir à l'avenir, parce qu'il est difficile de pouvoir assumer une telle élection. Quand j'ai fini de dire cela, Monsieur le Président, je voudrais dire que je m'appelle Mongue Yamsi Daniel, pour ceux qui ne me connaissent pas. Au-delà de mon apparente jeunesse, je traîne 18 ans de haute administration parce que je suis sorti de l'École nationale d'administration depuis 2000. Si je suis ici devant vous, c'est grâce à la patience et la volonté de certains délégués qui ont cru en moi et ont décidé de me porter justement comme candidat à cette élection. Dans le discours du président d'Antam, le président a parlé de certains mots qui m'ont frappé. Il a parlé du renouvellement. Il a parlé d'un tournant, il a parlé d'un nouveau départ, il a parlé d'une image nouvelle. Tous ces thèmes traduisent à suffisance la nécessité que nous avons à changer et à procéder un choix sur des nouvelles personnes. Je ne parle pas aux personnes, vous qui êtes devant moi, mais je parle à vos consciences. Parce qu'il est nécessaire que des nouvelles personnes atterrissent à la tête de la FECAFOOT. Ainsi, je voudrais donc parler à certains zénis qui sont dans la salle. Il y a un terme français que j'aime bien. Passez le témoin. Chers aînés, prenez le courage, écrivez de manière historique notre histoire. Passez le témoin aux plus jeunes. Sans honte, parce que les jeunes ont un rôle à jouer dans notre football. Chers délégués, vous avez un devoir historique. Ne le loupez pas. Vous êtes à 2 minutes 10 et... Vous êtes à 2 minutes 10. Je voudrais, avec votre permission, je voudrais vous remercier sincèrement des propos aimables tenus à notre égard. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir respecter le temps réparti également entre les candidats. Merci, Monsieur le Président. Et demander à Monsieur Tchinda de prendre la parole. Monsieur Mongue, mille fois merci pour les paroles aimables, aussi bien à l'endroit de la FIFA, de la CAF, que du comité de normalisation. Merci encore. Monsieur Tchinda, s'il vous plaît. Hervé Tchinda, qui est donc attendu, lui qui disait dans la présentation Bonsoir de son programme tous. Qu'il a 2 milliards injectés pour le... Je voulais dire, je suis Hervé Patrick Tchinda. Je suis ancien footballeur, mais je suis aussi celui grâce à qui vous avez eu des Eto'o au Cameroun. Vous avez eu les Wome, vous avez eu les Rigobertson, vous avez eu les Jérémy, vous avez eu les Chami, vous avez eu les Andem. Et après ma carrière d'agent, je suis devenu président de club. Je suis devenu président de club. Après, je suis devenu président de club. Donc, vous voyez que j'ai cheminé. Ça fait longtemps, le processus est en marche.
pour que j'arrive à déclarer la candidature aujourd'hui. Et par le passé, j'ai eu la possibilité de rentrer au bureau exécutif. J'ai refusé. Beaucoup ici le savent. J'ai eu la possibilité de rentrer comme vice-président. J'ai refusé. Je n'étais pas prêt. Aujourd'hui, je le suis. Et je ne viens pas devant vous les mains vides. Parce que j'avais identifié les problèmes du football. Je me suis préparé pendant longtemps et avec l'aide de mes partenaires. Parce que c'est nous qui avons obtenu de construire les stades des autres villes du Cameroun. On a signé un contrat avec la Ligue à cet effet. Donc on doit construire les autres stades et on doit construire 9 centres techniques régionaux au Cameroun. Donc je ne viens pas les mains vides, je viens avec tout cela dans la cagnotte. Et nous sommes prêts à avancer à la Ligue professionnelle de football qui a mal à ses finances aujourd'hui. 2 milliards, mes partenaires le font, 2 milliards pour démarrer le championnat maintenant. C'est ce que je voulais vous dire. Merci. On est en pleine campagne, Ben. That's quite ambitious. He has 2 billion CFA francs to launch the professional football league, to take off professional football in the country. S'il vous plaît, votre attention. Votre attention, s'il vous plaît. Nous allons donc maintenant passer aux opérations de vote. Et il importe d'indiquer, il importe de vous rappeler que sur le bulletin que vous avez, vous aviez initialement 7 candidats. Maintenant, il vous en reste 5. Monsieur Bisson Egbe, Monsieur Happy Sofangem, s'étant désisté. Il reste donc Monsieur Bel Joseph Antoine, Monsieur Mabouan Kessak, Monsieur Seydou Mbombonjoya, Monsieur Monge Nyamsi Daniel, Monsieur Chinda Patrick Hervé. Donc, normalement, sur le bulletin que vous avez, la case 2 et la case 3 du bulletin ne font plus partie des candidatures. Yes, Kevin, I said since yesterday that my English is very poor. Though I well, what is going to happen is that in the area where you have Bisson Emmanuel, who has asked that his, those who are supposed to vote for him should vote for Chinda Patrick Heve, and then Happy Frank has asked that they should vote for Bel Joseph Antoine. Bisson Emmanuel, and there is also Mr. Happy Frank, they have stepped down. So watch out on your ballot papers. Because you could go there and get a little confused and you find yourself putting a mark on Frank's name or on Bisson's name. So be very careful about that. Only 5 names are now on that list, valid things. Voilà. Cela étant, nous allons donc commencer, procéder à l'opération de vote et je vais passer la parole au secrétariat technique pour pouvoir appeler les électeurs au vote. Mais avant cela, je voudrais indiquer relativement au vote que il faudrait attendre que l'électeur revienne, jette son enveloppe dans l'urne avant d'appeler le second électeur. Chien autant pour moi. That is definitely going to take a while because there are 66 candidates. So the call the first candidate, he comes, takes in the ballot paper and the envelope. Oui, une contribution de mon ami Yaya qui en a l'habitude. Pendant que un électeur est dans l'isoloir, le secrétaire technique peut appeler le prochain qui s'approche et s'apprête. So we're saying that it's going to take a while because there are 66 candidates. So
If each candidate takes about a minute or two, we will have about 1 hour. Yes, so it's going to be a process of about 1 hour 30 minutes that we are into right now to know before they start counting the votes, Serge Fasgay, to finally know who is the winner. Bussier, présentez l'urne à toutes les personnes présentes pour montrer qu'il n'y a pas de bourrage. Voilà, la présentation de l'urne, on l'a dit, il y a 66 délégués qui vont donc élire le président de la Fédération Camerounaise de football et des autres membres du comité exécutif de cette fédération. 66 membres, 66 délégués. On aura donc presque 66 minutes avant le décompte des voix. Le spécialiste de scellage. It should have been an intense moment, Serge. I would always like to call it Judgment Day has come. It's the time for us to finally know who is who. Telephones are ringing in the hall. SMSs are going on. WhatsApp messages are going on. Bisong Emmanuel just said that all those who are supposed to vote for him should now vote for Nchinda Patrick Eve. And then we got Happy, who in a very charismatic manner said they should vote for Belle-Joseph Antoine. Quelque chose que monsieur, je crois que c'est monsieur Monge, a dit tout à l'heure relativement aux candidats. Vous savez que les statuts ne prévoient pas de conditions particulières, n'est-ce pas, pour être candidat. Donc n'importe qui, même qui n'est pas délégué, peut être candidat. Alors, tout en reconnaissant que les textes, comme nous l'avons toujours dit, peuvent être améliorés, si on va dans ce sens, vous allez avoir des candidats, n'est-ce pas, qui vont se retrouver électeurs, alors que quelquefois ils n'ont pas rempli les conditions, n'est-ce pas, requises pour. Mais nous disons, nous avons fait un travail qui a certainement besoin d'être amélioré. Nous avons mis les fondations. Il y a les murs à monter, il y a la charpente, il y aura les tôles, il y aura le crépissage, il y aura la peinture, etc., etc. Et au bout du compte, on aura une belle maison. Et le vote pour également commencer. On va donc appeler les différents délégués pour le vote. They would have to also go in now and check the isolation room, the room where you go there alone. Well, of course, you need to go through the security control, the detector, because you're not supposed to go in there with a telephone, they explained, so that you should not go into a telephone and snap the one you have marked to send to your other delegates. No, you go without a phone, you mark what the name you're marking, you fold it the way you're supposed to fold, put in the envelope, then you come out now and drop it in the ballot box. This is quite open for everyone to see. So the bailiff must be sure that everything is quite okay. Nothing hidden anywhere, no camera hidden anywhere, no extra ballot hidden anywhere. Vérification donc de l'isoloir pour s'assurer que tout va bien se passer cette opération, parce que chaque électeur doit aller à ce niveau dans l'isoloir sans son téléphone pour ne pas filmer le bulletin de vote, revenir et jeter donc son bulletin dans l'urne, tout cela pour plus de transparence. Donc cet exercice déjà donc fait, on va commencer donc par appeler les différents délégués. Ils sont 66 au total pour cette élection. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous trouver deux chaises pour les scrutateurs, je vous prie? Non. Comment? Ils vont s'écrouler? Quelques problèmes pratiques, Benen, parce que les deux scrutateurs que nous voyons sur le petit écran doivent pouvoir veiller et regarder tout ce qui va se passer.
au cours de cette opération de vote. Non. Bon, les délégués, à l'appel de votre nom, vous allez vous présenter devant le poste occupé par le secrétariat technique avec votre carte d'identité. Avec votre carte d'identité. We must tell you that avec from votre carte nationale d'identité. We must tell you, Serge Fasgué, from where we are sitting, we've seen a lot of movement so far. Some of the candidates coming outside, you can hear them talking with loud tones, and so we're sure that plenty of negotiation is going on right now. But for the delegate, you need to come up with your national identity card, and then get the ballot paper, go in there, tick the name of the person you want to occupy the post of president of the Cameroon Football Federation, come out and drop it in the ballot box. But you need to come with your national identity card. En votre âme et conscience, vous allez choisir votre candidat. Et vous viendrez introduire le bulletin dans l'urne. Vous allez signer et regagner votre place. Nous allons suivre l'ordre. Oui, oui, il faut des... Il y en a. Bon, vous allez... Non, vous devez suivre. Bien, nous pouvons donc débuter les opérations de vote. Monsieur Haruna. Alors, lorsqu'on parle de l'ordre Bénin, il faut préciser que Monsieur Haruna est de la Ligue régionale de l'Adamawa. On précise que chaque ligue régionale est représentée par 6 délégués à cette assemblée générale et ces délégués ont été élus lors des différentes assemblées générales dans les ligues régionales. Donc c'est M. Haruna en premier pour la ligue régionale de l'Adamawa qui va d'abord voter, suivi des autres, c'est-à-dire M. Konaté Souleymanou, Mohamedou Abo, Oumarou Sanda Farouk, Ousmane Oussali et Yaya Issa Jacobine. Le suivant, Monsieur Konaté Souleymanou. It's quite a task. In there you have a pen, so when you come over there you just mark the name of the person you want to become president of FECA Food. You understand that you cannot vote anymore for Emmanuel Bisson, who has asked his supporters to vote for Nchinda Heve. You cannot vote for Frank Happy, who has asked his own supporters Monsieur to vote for Bel Joseph Abou. Antoine. Monsieur Mohamedou, comme vous le remarquez, Benin, il faut dire que c'est un ancien membre de la commission
la commission de la Coupe du Cameroun de football. Il a été membre de cette commission pendant plusieurs années. Donc, c'est un ancien membre du comité exécutif de la Fédération Camerounaise de football. Monsieur Oumar Ousanda Farouk. On est toujours avec les délégués de la Ligue régionale de la Damawa. Et juste après Oumar Ousanda, ce sera Ousmanou Sali, tous des délégués de la Ligue régionale de l'extrême de la Damawa. Monsieur Ousmanou Sali. After Ousmanou Sali, there is going to be Yaya Issa Jacobin. It could be a very difficult task when you get in there, when you don't know yet who you want to go, who you want to vote for, and then you get in there, you may be stuck, because then now you'll be asking yourself a lot of questions, and if you're not careful, you may vote for somebody you originally didn't want to vote for. Of course, he too, he was elected into office not very long ago. To say that after there was a decision that says that following the disposition, following the law as stipulated, you have people like Ousmanou Sali, Yaya Issa Ousmanou Sali. He was one of those elected into office. Terminé avec les délégués de la Ligue régionale de la Damawa, les six représentants de cette région. On va donc entamer avec les représentants de la Ligue régionale du centre tout à l'heure. Et on va commencer avec Saint-Fabien Vogo, le président de DIM FC. That is, if we take the center region, because following the outline, the Damawa region and then the center region, and also looking at it from alphabetical order, we should normally be taking the center region. Monsieur Mvogo Saint-Fabien. Of course, strong man of Edzing Football Club of Lalekie, winner of the Cup of Cameroon. Saint-Fabien's contribution to the development of football in the country has been respected and appreciated by just everyone, following the fact that he was not very long in the Ligue 1 football championship. He grew up to become champion and then won the Cup of Cameroon. So Saint-Fabien Vogo's contribution and his vote should be one that really should look into football and the growth of football even from the bees. Monsieur
le président de Ding FC qui est toujours dans l'isoloir, qui fait son choix. Le choix de celui qui va diriger la Fédération Camerounaise de S'il football. S'il vous plaît, monsieur Niassa Soleil, est-ce que vous pouvez éviter prochain. De filmer l'isoloir? Vous pouvez filmer de ce côté, mais ne filmez pas de ce côté-là. Merci. Monsieur Bapo Lipo Robert. Of course, every time you talk about the UPC party, you get to see people like Bapo Lipot Robert. There's something connected between people who are into politics and into football. They have to ensure a great support for football. And Ashwin Dikida is always with his back. Looks like he didn't need to think much, Serge Fasgué, he already knew who he was. Dans tous les cas, on ne sait pas. S'il vous plaît, monsieur Konaté, vous avez parfaitement raison. L'isoloir est... Nous avons tracé des règles et nous souhaitons que ces règles soient respectées. Discret et nos caméras ne peuvent pas du Alors, tout. Alors s'il vous plaît, s'il y a d'autres qui ont des sacs, qui les laissent avant ce d'entrer. Ce qui se passe dans l'isoloir, ce qui est d'ailleurs normal parce que cela fait partie du jeu. Et on montre simplement... l'endroit de cet isoloir. Monsieur Zhang Léon, puisque Aimé. La Fédération Camerounaise de football a voulu que tout se fait dans la transparence. But there's an issue that just came up. You cannot go through the metal detector with the back on. Everybody should keep the back aside. But now, how do you get Bapo Lipo to leave his back and go to vote? So that's where the little complication came right inside now. So it's time for Zhang Léon Aimé. To cast his vote. C'est le président d'APGS, APGS d'un fou. So the president of the board of directors of APGS d'un fou. We saw him very, very strong when APGS d'un fou had to play the final, and he was a very happy man when the won. So after APGS d'un fou winning the Cup of Cameroon, under him it was an opportunity also for. Eating football club of La Lekki to have won the cup. Après Zhang Léon Aimé, ce sera Monsieur Akini Benoît Raoul. Akini Benoît Raoul, qui est le coordinateur des équipes FAP au ministère de la Défense, le directeur des activités culturel et sportif. Monsieur Akini Benoît Raoul, ancien président de la Ligue régionale du Centre, délégué du Centre à cette Assemblée générale. Benoît Raoul Akini, on l'a dit. Il est le coordinateur des équipes FAPO. Monsieur Mbida Michel. De la Défense. Et le chef de département Monsieur communication de l'Africa Bida Foot Michel. Qui nous a rejoint pour se satisfaire du déroulement de ce scrutin. Parfait, c'est qui ? Une fois de plus, bon après-midi. Bon après-midi Serge et bon après-midi aux téléspectateurs de SIA TV News. Je ne suis pas le seul à être satisfait. Tous les Camerounais qui regardent cette élection ont toutes les raisons d'être satisfaits de la manière dont elle se déroule.
Et cette image tranche avec l'image de l'Africa Foot que l'on a souvent répandue, dont on a souvent parlé ces dernières années. On voit là une élection qui se déroule dans le calme, dans la responsabilité, en toute transparence. Elle est retransmise en direct sur les antennes de la télévision nationale. Alors, quelle garantie peut-on apporter de plus de ce que cette élection se déroule dans les standards qu'il y a ? Merci bien. Et on continue donc de suivre donc cette élection, les candidats qui défilent. On a précisé les électeurs, autant pour moi, les électeurs qui continuent de défiler. Ils sont 66 au total. On a terminé avec la Ligue de la Damawa. On a terminé avec la Ligue régionale du centre. Monsieur et l'autre. Niassa Roger. Oui, c'est l'un des derniers délégués de la Ligue régionale du centre. Et tout à l'heure, nous allons entamer avec les délégués de la Ligue régionale de l'Est. Et il faut préciser que pour chaque région, c'est 6 délégués. Niassa Soleil has been very close to the formal administration. I think very close to those who were there before. For now, so his vote should also be coming from very, very, very far. Niassa Soleil runs a radio station, but it's also somebody very present in the Fekafu milieu and sometimes has not got his tongue in his pocket. Niassa Soleil was supposed to go, vote now for the first. That should definitely be the last person from the Central Region, Sage. And then we are going to get into those from the East Region, if we have to follow the alphabetical arrangement of the names this afternoon. Monsieur Arthur Baber Jampi. Of course, those are delegates now from the East Region that will be going to cast their votes. Arthur Baber Jampi, délégué de la Ligue régionale de l'Est. Monsieur Charmant Oyal. Charmant Oyal qui va arriver d'un moment à l'autre. Un ancien joueur de l'Union sportive d'Abombang. Ancien dirigeant de cette équipe. Et aujourd'hui, membre dirigeant d'Abombang FC et surtout maire de la commune d'Abombang. The mayor la commune d'arrondissement. Mayor of the Abombang Council. He's the one who is going to cast his votes now. And like we said, there is always something connected. There's something always connected, between that connects politics to football. Most people who are involved in politics, sometimes you see them in football. We've already seen Joshua Osi, who will finally be coming to also cast his vote. That is from the as a delegate from the Southwest region. But for now, here is Charmant Oyal.
Monsieur Plagel Njanda Saha. Janda Saha Flagel is a director in NSF Cameroon, who equally has been involved in the development of the league football at the regional league in the East region. Going to cast his vote now. He's the president of ASKDI. 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 And he's involved very much in the pools, hoping that they can get up to play in the regional, get Monsieur up to Robert qualify Bellinga as a team Bida. From the East region. Robert Bellinga Mbida. Robert Bellinga Mbida. Yep, he's the one going out to cast his vote. Robert Bellinga Mbida, après ce sera Wadiri Duka Godier pour terminer avec Samuel Dieudonné Yakana, les délégués de la Ligue régionale de l'Est. Robert Bellinga Mbida, il est l'actuel président d'Abombang FC, l'équipe qui vient de se qualifier pour la MTN Elite 2. Taking off its time to mark. Monsieur Wajiri Nduka Goje se prépare. He was selected in the regional executive. That was on the 27th of November. Talking about Robert Bellinga Mbida. You see the security at the door, Serge Fouazi. They have to control who goes in at this moment and who comes out. He seems a very free person, he's clear in his head. He's very sure about who he wanted to vote for, and I'm very sure he voted for the person he wanted to vote for. So he comes out happy, strong. you could read it from his mannerism. From his Monsieur swag. Samuel Dieudonné Yakana se prépare. So this is Wajiri Nduka Goje. Just done, gone through with his own, and also was elected into the regional league, the executive committee of the regional league, on the 27th of November. And this is Samuel Dieudonné Yakana going out to cast his own vote. De la ligue départementale de l'Homme et d'Irem, l'un des membres de. Monsieur Boubakari Avenue Bello. FC de Berto. Boubakari Bello, we're now in the far north region. It's delegates now from the far north region, beginning with Boubakari Bello.
A lot of persons see him as a businessman in the far north region. He elected into the regional executive bureau, but he also has a great love for football. Monsieur Chegador Umaru. He has been re-elected as president of the regional league for the far north region, that is Boubacary Bello. And he's been very happy since 2014, re-elected again in 2018. He has a great love to develop football and to ensure that from that part of the country, football gets developed. He is the mayor of Marwa. They call it the Marwa 3 Council. Chegado Umaru should be coming afterwards, still from the far north region and in the far north regional football league, to cast his own vote at this moment. When one of the candidates came up, Juberu Boubacary. When one of the candidates came up, we heard he said that he has already seen everybody. So, understanding that he must have talked to everybody. So, these candidates must have received promises, probably, or they've received the way forward of the candidate Sedu Momojoya. Pendant que le vote se déroule, Benen, faut dire que la plupart des délégués qui viennent donc Monsieur Amadou Ousmanou à cet exercice, on a l'impression qu'ils sont presque satisfaits. Il y a deux qui viennent de qui sont avec nous. There's Boubacary Bello. Oui, il y a voted just a few seconds ago and just came out. Tout à fait. Il y a Abo qui est, yes, of course. Voilà, un ancien membre de la commission de l'organisation de la Coupe du Cameroun. Dites-nous, Monsieur Abo, dites-nous quel est le sentiment qui vous anime après avoir fait cet exercice. Vous avez procédé à votre choix, le choix est secret, mais quel est le sentiment qui vous anime à ce moment? Oui, c'est un sentiment de satisfaction dans la mesure où j'ai, n'est-ce pas, fait mon devoir et bien fait. Évidemment, le vote est secret. J'ai choisi donc mon candidat et librement. Donc, Monsieur Bachaï Amidou. Cela veut dire que pour vous, c'est au moins le début de la fin de cette crise honorable. On va plus assister à beaucoup de problèmes à l'Afrique à foot. Arriver déjà à cette assemblée générale élective, c'est quelque chose de gagné. Oui, c'est quelque chose de gagné. J'ose croire que le sentiment qui m'anime, n'est-ce pas, peut être le même pour tout le monde. Et surtout, n'est-ce pas, pour tous les acteurs du football, n'est-ce pas, camerounais. Dans la mesure où nous disons ici que nous avons déjà un peu marre, n'est-ce pas, de ces va-et-vient. S'il ne s'agissait que de moi, il faudra taire, n'est-ce pas, les divergences, regarder tout droit devant nous pour, n'est-ce pas, le bénéfice du football camerounais. Merci bien. And then we also have Mr. Boubacary Bello, who is also from the far north region, and the mayor of the Marwa 3 Council, Marwa 3. You just cast your vote. You're happy. I saw you after you cast your vote. You came out. You can speak in French. It's okay. After your vote, you just came out. Grab a bottle of water. It's like you've released a burden that was in your mind, on your shoulder. Okay, I am very satisfied after making my vote. After making my choice, you know, we have making many too much time to get many problems in the football since 5 or 6 years. I think that today it is finished. Today we are going to get a new president, and we have to see Monsieur together to see the way of the football. It is a shame on us to be in this situation. Since 5 or 6 years, Cameroonian. Il est malvoyant. Il est malvoyant. Et c'est lui-même qui a choisi.
Why other person come and block them? No, c'est lui qui doit choisir. It is finished today. So, what are you expecting for your region, for your locality, from the president that you have elected? You know, I speak with him. I have spoken with him about the football, about young. We are 20. We are many people in far north province. We are very many youngs likes to make football. He promised us that he will do something for us. That is when he's elected. Merci beaucoup, Monsieur Boubakari, Monsieur le Maire. Well, of course, we have an experience. We just got that he's out of sight. So he's asked that somebody should accompany him. That is the last person from the far north region. Emmanuel. That is Umaru. Now we are entering the littoral Loga with Emmanuel. Mr. Loga Emmanuel. You can imagine how tough it has been in the how tough it has been in the littoral region. C'était très très disputé dans le littoral. Et aujourd'hui, Loga Emmanuel qui participe à cette assemblée générale élective de la FECAFOOT. Le combat a été rude entre les différents délégués de cette région. He is described as a strong man of the littoral, Loga Emmanuel. He's the former president of Dynamo of Douala. So you see what kind of experience he has, why he should be the person sweeping up all the support at that level for a football. Monsieur Bel Joseph Antoine. Bel Joseph Antoine, que nous ne présente plus, l'un des candidats, délégué de la Ligue, l'un des délégués de la Ligue régionale du littoral. Probably that's where the difference comes in, Serge Fosgay, because one of the candidates was complaining that why is that him as a candidate, he cannot vote. Well, you cannot vote because you are not part of the delegates. You know, you need to go back to your regional level, probably get support from there, rise up as a delegate. Exactement, and they can have an opportunity to vote like them. Tous ces délégués ont été élus. Ce n'est pas parce que vous êtes candidat que vous êtes forcément délégué à l'Assemblée générale élective. Vous devez d'abord être élu par votre ligue régionale. Ça se passe par Monsieur le vote. Kadji Gilbert. Well, Bel Joseph Antoine needs no introduction to nobody. In a 20-year career, he played in his native Cameroon as well as in Côte d'Ivoire and Egypt before moving to France, where he played for several top-level clubs, including Marseille, Bordeaux, and eventually ending his playing career with Saint-Étienne. That's Bel Joseph Antoine. He represented the national team in the World Cup 1982, 1990, 1994, and 1984 Summer Olympics, and several Africa Cup of Nations. CAF called him sometimes to join the litigation committee. FIFA invited him to join another committee. So he... Et juste après lui, un grand formateur, Gilbert Kadi. Monsieur Balok John. Monsieur Balok John. Well, it's Balok John now. Balok John. He was hard on Balok John. This is Balok John who came and said that they should be very clear that no other person has voted for. There's nothing like a presidential candidate, a candidate that is favored by the president. Nobody should even think that there's anything like that, and that raised quite an issue, which has been strongly criticized even by the president of the normalization committee chairing the election here today. Thank you.
Monsieur Ekwe. Ekwe, bienvenue Blaise. Venen. He's a businessman, a strong businessman. Some time ago, he occupied the post of president of the board of directors of Global Business Enterprises. But it's also somebody who loves football. Back in 22, he was a member of parliament from the littoral. He gave out, we remember him when he gave out benches and he gave out school material to those in Lycée Bileng de Melon, and has been developing as a supporting football even from his own level. Communauté de Melon. Mm-hmm. Monsieur Ekwe, bienvenue Blaise. C'est lui actuellement. Ekwe, bienvenue Blaise. Vous l'avez parlé de la mairie de Melon. C'est l'homme d'affaires qui Monsieur Ekeke va donc Eugène. Procéder à cet exercice. Juste après lui, l'ancien Lion indomptable qui a participé à la phase finale de la Coupe du Monde 90 en Italie. Ekeke Ejen, we'll talk about him. He famously scored to give Cameroon the lead against England in the quarterfinals before, Cameroon's eventual lost 2-3 to England. So, Ebele Ferdinand Ekeke, that's the name they've given his hat to far. With great work in Racine, in Beveren, Stade Quimperios, before getting to play with the national team from 1980 to 1992. Aboubakar Alim Konaté. There we're in the north ancien region. Premier vice-président de l'UCAF. Et là, nous sommes dans la Ligue régionale du Nord. Il est également Monsieur président Sadou élu de la Ligue Yaouba. Régionale de football du Nord. Mm-hmm. On va poursuivre avec Sadou Yaouba, Benin. Sadou Yaouba is also coming. He's elected lately into the top executive position of the North Regional League. Sadou Yaouba. He too, somebody who has been so much very much into football, and he's somebody who is rising very strong in the Poly Council in the far north region, and has had great contribution, has his a background in accounting that is bringing to bear in this work that he's coming in to do, or bringing in his vote as a delegate for a candidate. It's only at the end of the day that we'll really know a majority who voted. You may not be able to know who voted for who, but the majority will tell you, or the person who wins the vote will tell you, apparently, who voted for who. Madame in the in the box. Yvonne. Madame Asta Yvonne, elle est sénatrice Bénin, et elle a reçu sa décoration de commandeur de l'Ordre national de la valeur. C'était des mains du président du Sénat le 30 juin 2016. So, a woman who loves football, she has a big heart for football. I've never seen a woman with such love for football. We've gone with her. We've seen her very close by in several competitions out of the country. She's into football. Somebody will say a woman like this should probably be doing something else. No, but she is into football. Il faut rappeler qu'elle a été, c'est une amoureuse du football, comme vous le dites. Elle a été présidente d'Espérance de Guider.
Monsieur Mohamedou Djouldé. Mohamedou Djouldé, on est toujours dans la Ligue régionale du Nord avec Mohamedou Djouldé qui va, on l'appelle, c'est son petit nom, Arrangeur Savané. He was elected into the executive bureau of the north region. That is Monsieur, that was some six Issa days ago Basuru. When they carried on with the elections. That is Mohamedou Djouldé, same like Issa Basuru. Issa Basuru de la Ligue régionale de football du Nord. Et puis on va terminer avec Mohamedou pour ce qui est de la Ligue régionale du Nord avant d'entamer cette fois-ci avec la Ligue régionale du Nord-Ouest. Et ce sera d'abord Monsieur Ndinga Joseph Fombutu. Is one person who has been very, very active with the development of youth football over in the Northwest region. He worked very much with FC Bamenda and then he went to Arsenal FC, still by FC Bamenda Sports Academy. Monsieur, he's been this very strong guy in the development of football back in the Northwest region and was voted into the Northwest Executive Bureau. Next, they're going to have Fai Shulika. To say that we're in the Northwest region now, delegates from the Northwest region who have been able to come right here to vote for their own, to cast their vote for the president of the Cameroon Football Federation, Fai Salish Shulika. He's a trainer in football with CAF License B. He's been with Kumbo Strikers, a football team based in the northwest region of Monsieur Cameroon. Fai Sale Shulika. Here he comes. Félix Fai. Fai Sale Shulika, autant pour moi. L'un des membres de la Ligue régionale du Nord-Ouest. Of course, they will definitely be voting for any person who has a good plan to develop football in the Northwest region. After PWD of Bamenda, we've had Young Sports Academy, we've had Polytechnic of Bambui, you had teams like Bang Bullets, get many more teams to come right up. Now we'll be getting bigger J. Felix. Nja Felix. He's the president of Hilltop Strikers, Bamenda, who is elected into the regional executive committee of the Northwest Regional Football League. He's now president of the Cameroon Football Federation for the Northwest region. Neba George Chou.
Next is Niba George Shu. All of them voted into the regional league. They would have to, well, of course, work together to develop football in the Northwest region. But one of the things we were talking about, I was just talking with them a few minutes ago, and I was asking them what are they going to be looking at? And they all said, well, they're looking at who is going to develop football and how to develop football in the Northwest region. Nobody said who they're going to vote for, but you can understand from that they mean what they're saying. Yoye Blaise, après ce sera Chinda Charles Nguessan, l'un des membres du bureau exécutif de la Ligue régionale du Nord-Ouest. Monsieur Chinda Charles Nguessan. Chinda Charles Nguessan was one of the persons who stood to oppose Mbiga Ja Felix for the post of president of the regional football league of the Northwest. It didn't succeed because Mbiga Ja Felix got it landslide victory. So all of them now, they have to work hard for football, the development of football in the Northwest region. Et il faut dire que Chinda Charles Nguessan, c'est le dernier membre, le dernier délégué de la Ligue régionale du Nord-Ouest. Présent sera donc le tour de l'Ouest avec ses différents délégués, en commençant par Sangou Koma. Monsieur Sangou Koma. That's to tell us that now we've gotten into the West region with Sangou Koma, who was equally elected into the regional executive bureau of the Cameroon Football Federation for the West region. In the West region, we are going to see one strong man like Wembe Samuel. Well, the time is come, we'll meet Wembe Samuel, who has been there and the executive of the Cameroon Football Federation. Comprenez que Sangou Koma, c'est un maestro, il faut préciser, donc il maîtrise bien toute Monsieur cette procédure. Kouedem François. À présent, Kouedem François, membre de la Ligue régionale de l'Ouest. That's quite great for him. Eh? He's now the strong man of as a president of the West Regional Football League. He was elected, I mean, he had a landslide victory for during the elections. He was, first of all, the president of the Divisional League of Football from the MIFI. Ancien président de la Ligue départementale de football de la MIFI, comme vous le dites. Mm. Monsieur Fodjo Dabobda Philippe. Monsieur le
Monsieur Bombo Seydou Njoya. Bombo Seydou Njoya, candidat à la présidence de la Fédération Camerounaise de football, lui qui se présente comme l'homme de la situation. Monsieur Longla. Monsieur Longla. Longla is also a member of the executive committee of the Cameroon Football Federation in the West Region. But we should say, Serge Fouazghe, that there's a lot going on as far as talking and discussions are going tout à on. Fait, tout à fait. We've seen them going in and out, the delegates Monsieur going in and out. Wembe because Samuel. Now le dernier nom de la Ligue régionale de l'Ouest, Wembe Samuel, un ancien dirigeant sportif, ancien député, et c'est un homme d'affaires. He's a businessman, and I said he's the, I should say, the strong man of the West Regional Football League. He's always been there. He's a president of the board of directors of Racing Club of Bafoussam, and has been since with great contributions. Madame Eko Mendomo Céline. Understanding, therefore, that we are now in the South Region. Ligue régionale du Sud avec Eko Mendomo Céline, ancien responsable de la Ligue spécialisée de football féminin, les ligues qui ont besoin de souffle pour bien exercer leurs activités, bien pour leurs activités. Céline Eko, dont la voix va certainement compter au décompte final. Understanding that Céline Eko has had something to do with Canon Football Club of Yaoundé. He was former president of the board of directors. Clearly. Former president of the board of directors of Canon of Yaoundé and was appointed president of the ad hoc commission. Then Monsieur she was the president Hélène Bisson Jean-Claude. To chair and to see into issues affecting football in the country. Ango Jean-Claude is coming up. We should see Serge Fouazghe. We've not seen so much of the development of football from the South Region. As in, we've not seen teams, football teams coming from the South Region to be in the League One or the League Two football championship. So, Monsieur League One, especially. Chunde Lui. Well, of course, we know of Colombe of Saint Milima to be very clear with the facts and the statistics. But again, we need to see many more teams from the South Region grow up and to be strong and to occupy even the top spots in the League One Football Championship. Vous avez parlé justement de cette Ligue régionale du Sud. Qui a beaucoup Monsieur pardonné Samuel. Dans l'activité à la Fédération Camerounaise de football. C'est le tour de Monsieur Nko Samuel de la Ligue régionale du Sud. A teacher has a teaching background, so says his curriculum vitae, and that is what he carried up into the regional league of the South Region, and they trusted him with the position he occupies at the executive committee. Let's hope that his coming in is going to bring in quite at sapphire
to the ORG Jewel Box of the South Region in matters of football. Monsieur Chencho Alex Glenn. Chencho Alex Glenn, still of the executive committee of the South Regional Football League. Monsieur Ondoa Alain Garrison. Il y a un dernier nom, Benen, après Ondoa Alain Garrison, ce sera Eteki Charles Dikongé, peut-être que son nom vous rappelle quelque chose, ancien président de Tiko United, aujourd'hui président de la Ligue régionale du Sud. Southwest. Monsieur Eteki Charles Dikongé. Southwest, autant pour moi. Charles Dikongé. I think that that precision was very, very important. Charles Dikongé. Il faut dire que nous sommes là dans la Ligue régionale du Sud-Ouest. Et voici le président de cette ligue, M. Charles Seteki, qui va au niveau de l'isoloir. Il faut préciser que c'est l'ancien président Monsieur de Tiko United. Wending. Dans la Ligue régionale du Sud-Ouest. Kafin Fouanding, ancien président de Mon Cameroun, de Bouya, ancien député. Member of Parliament, coming to casting his own vote. I think the Southwest region is one of the sites, or the Southwest region hosts one of the cities with one of the sites for the AFCON 2019, unfortunately. A lot of it couldn't be sold in 2019, but then as far as Limbe is concerned, Limbe was not one of those problem cities. The stadium is there, the roads are there, the hospitals are there, the training facilities are there, the hotels are there. I think as far as the infrastructure was concerned and the different areas which will host delegates, Limbe is one of those towns that needed, you know, no argument. The hosted matches of the 2016 African Women's Cup of Nations in Cameroon. So the Southwest and Limbe would have no problem as far as hosting is concerned. As in, if it was left for the Southwest region, the AFCON should have started even yesterday. Unfortunately, you had to look at other, consider other parameters. But for Limbe, Limbe was very sad. Now it's time for delegates from the Southwest region to cast their votes. After finding Calvin, you are going to have Ikome William Lifange. Basin Bokwango. Monsieur Joshua aussi Nambangi. Joshua aussi Nambangi, ancien candidat à la présidentielle 2018, aujourd'hui
délégué de la Ligue régionale du Sud-Ouest qui participe justement à cette assemblée générale élective de la FECAFOOT. Monsieur Onfenui Kongso Krisan. There's a strong guy who stood up and called on the attention of the sitting that, you know, they've been saying everything in English and now they're giving very practical information to the sitting, but still in English. And he was wondering how will they from the southwest region, which is an English speaking part of the country, understand exactly what they were saying. He wasn't scared at all to really raise what was worrying. And of course, they got a solution to the problem. We saw Jomo Kevin, who came here to really explain how that was it was going to go on. We already seen Joshua Osi, who has cast his vote. And then comes Nuk Protus, who is a promoter of Little Foot Academy of Limbe. Nuk Protus, of course, is a household name. C'est un collègue. Now he's in football. Le président de Little Foot. Voilà le président Calvo Fondi que vous voyez sur votre petit écran. Mm-hmm. L'ancien responsable du centre de Mont Cameroun de Boya, Calvin Fondi, qui va peut-être venir à notre niveau pour qu'il nous donne ses impressions après son vote. Dili Ndenge Pierre. Dili Ndenge Pierre, we are done with those from the different regions. We have Teki Conga Charles, who is right here. And then, of course, we are finding. Maybe we'll begin with you. Brazil, you people have you've just cast your vote from the southwest. You're happy, it's clear, it's what you really wanted. It is going to end a long run of the cacophony and the troubles on FECAFOOT. We hope so. We have done our own part. We are satisfied that we have performed our own civic right. We just wait and watch to see. I think what is going to be the greatest expectation from the people of the southwest region from the new president? The expectation is for a change, positive change for that matter. We want somebody who will come, dialogue, and bring football Monsieur out Yakam of the bush to the town. Gilbert. Thank you very much. Calvin Fonding, qui est également avec nous. Le responsable du centre de Mont Cameroun de Boya, ancien dirigeant de Mont Cameroun, le président de Mont Cameroun de Boya. Dis-nous, vous venez donc de passer comme tous les autres, vous avez voté. Quel est le sentiment qui vous anime? Un sentiment de satisfaction de contribuer effectivement à ce développement de notre football nouveau. Nous espérons que ça va produire des fruits et que le président sera de plus en plus conscient qu'il doit développer le football à partir de la jeunesse. Merci beaucoup, merci d'être venu. Of course, we have now Onfenui Kongso Krisan. Krisantos. Krisantos. So, you just voted and you came out smiling. It's like that burden has been lifted your shoulders. Honestly, it's a burden lifted off my shoulders. Because we have been in the football arena for long, practicing football, playing with players in and out of the country, and you see that our football had gone to the drains. We had lost everything. This year we lost the CAF champion, we lost AFCON, we lost everything. And I think that whoever will become successful today, it will be my humble wish and our fervent prayers that person should help this country, because you were here and you followed the deliberations. Mm-hmm. If you see the dirty things that were coming out, tell me how we can progress with such type of things. So we want to think that they sat there,
They lived in life, and I am sure that they will want to avoid what the former people had done for us to start living the glory of football in this country again. Let me ask you a very personal question. Don't tell us the name of the person you voted for, but tell us, you know, what were the difficulties you went through choosing finally who to vote for? No, did you have people calling you and begging you not to vote? For that one, even at 12 o'clock, 2 o'clock, they keep on calling you. But at least as a footballer and as football manager that I am for all the many years, you should know who can do what and who cannot do what. Okay. Yeah, and I'm happy this time that it's for us to choose. The football, the managers of football are choosing the people. They are not being imposed as it was the case before. Thank you very much, Ufenyu Council Chrysanthus. I think Toto Support, after we had Mitomo Lucien, and then now Toto Support. Et c'est le dernier, Toto Support, parce que là, on vient de terminer avec les corps de métier. Il y a donc trois corps de métier, l'association des entraîneurs, l'association des arbitres et l'association des joueurs. Il faut également préciser que les représentants de la Ligue professionnelle de football ne font pas partie de cette élection, simplement parce que l'Assemblée générale de cette Ligue n'a pas eu lieu. That's why Frank Happy was crying that these are 10 votes that I'm losing. Maybe were the votes there and voted for him because he's from the professional football league, it should have been a plus, especially to his candidate Joseph Antoine Bell. But now the last person has voted. What is going to happen? Are they going to get into the vote counts? Is it going to be in the eyes of the whole world, like the voting wars? Well, we're waiting to see what is going to happen. But the 66 delegates have voted. Let's see now who gets the vote. Surely the count is going to be done in a very, very open manner. Les 66 délégués à cette assemblée générale ont donc procédé à cette opération de vote, comme vous l'avez constaté. On va tout à l'heure, d'un moment à l'autre, procéder au décompte de voix pour savoir qui est président de la Fédération camerounaise de football et qui sont les membres du comité exécutif de cette fédération. Certainement que d'un moment à l'autre, le président du comité de normalisation, Maître Dieudonné Happy, va devoir reprendre la parole pour préciser la suite du processus. Benin. Now they have to explain to us what they are going to do as far as the vote count is concerned, how they're going to carry on with the vote count. But they explained from the very start, Serge, that in a case where they have a parity, where they have equal votes, they are going to go to the second round. Le second tour, and for the second round, they're going to use the ballot paper with the yellow underlining borders. Now they have to get ready, get everything ready, the cardboard ready to begin for the vote count. Je crois que Benel, c'est un moment que nous allons suivre attentivement. Merci beaucoup, et on va laisser Monsieur le coordonnateur général, la parole au président du comité de normalisation. Nous venons ainsi de terminer le vote du président de la Fédération camerounaise de football. Attends, il y a la place. Ah ouais. Mais il y a la place là. Il va se placer comment? Well, the necessary and the final arrangements are being made at this very moment to see who is going to be in what spot to be voted at what moment. The names are all there written on the board. Joseph Antoine, Mabank Kesak, Seydou Mbojoya. You're going to surely have Daniel Yamsi, Mabouan Kesak and Heve Chinda. Et Heve Chinda, puisqu'ils sont désormais cinq. Est-ce qu'il y a la place pour placer le tableau?
Donc fais le déplacement, on n'a pas besoin de l'annoncer. Si we're getting closer and closer, Serge Fouasgué, to getting knowing who is going to be the next president of the Cameroon Football Federation. Moment très très attendu par les amoureux du foot et par la plupart des Camerounais. C'est l'instant qui va déterminer le président s'il vous plaît. De cette fédération. On vous laisse suivre attentivement s'il vous plaît. Ce processus de décompte de voix. Essayez de déplacer le tableau pour permettre notamment au secrétariat technique de bien le voir. Just a quick reminder that 2015 to 2017, we had Tombi Aroko Siriki as president of the Cameroon Football Federation. From 2013 to 2015, we had Professor Joseph Owona, who led the normalization committee. Before then, 2000 to 2013, it was Mohamed Ia Mohamed. In, from 1998 to 2000, it was the executive committee presided over by a provisionary president, Ia Mohamed. And then from 1996 to 1998, we have Vincent Onana. 1993 to 1996, we had Maha Daher. So we will gradually come into another phase in history where we're going to have from 2008 to for the next 4 years, the new president that will be elected today. Now it's Sept, counting the votes that are 8, 9, 10. Amenez ça ici. Voilà. Ici là. Voilà. 11. Merci pour la confiance. 12. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, enfin 66. So all the ballots were cast
The 66 delegates cast their ballots, so we have 66 ballots. Now it's time to open the ballots one after another to know who, well, to know who was voted for. 66. Nombre de votants, 66. C'est un moment de grande attente. C'est un moment d'intense émotion que nous allons vivre tout à l'heure ici au centre d'excellence de la CAF en Bankomo. Moment qui devra déterminer le nouveau président de la Fédération Camerounaise de football pour mettre un terme à une série de comités de normalisation imposé au Cameroun par la Fédération internationale de football association. Nous vous laissons vivre tout ce moment. S'il vous plaît, changez de rôle. Belle. Seydou. Belle. Seydou. Belle. Seydou. 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 Daniel.
Seydou. Belle. Seydou. 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 Belle. 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 Seydou. 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 Belle. Seydou. 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 Belle. Seydou. 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 Monge Nyamsi Daniel. Seydou. Seydou. Belle. Seydou.
Seydou. Seydou. Seydou. Seydou. Belle. 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 Mongue. Seydou. 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 Belle. Seydou. 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 Et enfin, Seydou. Le résultat est donc là, comme vous pouvez le constater sur votre petit écran. 46 voix pour Seydou Mbombo-Ndjoya, 17 pour Joseph-Antoine Bell et 3 pour Daniel Niamsi-Mongue. Le nouveau président de la Fédération Camerounaise de football s'appelle Seydou Mbombo-Ndjoya. Seydou Mbombo Seydou Mbombo-Ndjoya is by election or has been elected as the president of the Cameroon Football Federation. The votes have just been counted. Well, we should say that Mabouanke Sak did not get any vote, and Chinda Heve did not get any votes. Well, so the last minute assistance or the last minute coalition that came in from Bisson did not really work. If we should get into early analysis, those are the results you have over there. Ber Joseph Antoine goes on with 17 votes. Seydou Mbombo-Ndjoya goes on with 46 votes, an overwhelming victory. And then Monge Nyamsi goes on with 3 votes. So first is Mbombo-Ndjoya with 46, Ber Joseph Antoine with 17, and Monge Nyamsi with 3 votes. Alors, il faut dire que Seydou Mbombo-Ndjoya, qui arrive donc à la Fédération Camerounaise de football, vient donc mettre un terme à plus d'une décennie de crise dans cette fédération. Et on va vous proposer d'un moment à l'autre la première réaction du président nouvellement élu de cette fédération avec le concours du département communication de la Fédération Camerounaise de football. Certainement que nous aurons d'un moment à l'autre le président de cette fédération, le nouveau président de la Fédération Camerounaise de football, avec le concours du responsable communication de cette fédération, Parfait Siki qui va nous amener le nouveau président, élu. The first president-elect of the Cameroon Football Federation, that is Mbombo-Ndjoya. We've come to a very, very... It has
A very long day. That started at 8 a.m. Here we are closing the day at five twenty-one. So we would say that at 5:20, the new president of the Cameroon Football Federation, Sidumbu Mujaya, was elected with 46 of the votes, 46 out of 66. That is, he left only 20 to be shared by those behind him. And then Bell took 17 of the 20 votes remaining, and Chinda took three of the votes. Maybe for a quick reaction, we are going to get one of the delegates, Joshua Osi, who voted very live for us to maybe say a word. CRTV doing the live coverage of the CRTV doing the live coverage of the elections. And we are happy to have you. Joshua, I'll see one of the delegates from the Southwest region. The elections have come and gone, and they've counted the votes. The elections are still going on. Well, for the president of the federation, it's Seydou Memonjoya winning yet? There is a technical committee taking care. We've just counted the votes, so you'll allow them proclaim the results first before I make any comments, okay? Merci bien. Thank you very much. Il faut également préciser que, en ce qui concerne Seydou Mbomodouya, ce n'est pas étranger à cette fédération. Il a été premier vice-président sous Iya Mohamed. C'était en 2013. Il était premier vice-président de la Fédération Camerounaise de football. Et aujourd'hui, il est président de cette fédération. On attend que le nouveau président vienne donc nous donner son point de vue, ses impressions. Well, of course, Joshua also says that we would have to wait until it is proclaimed by the technical commission working on the results. But after the vote count, if we still have to talk about indicators, after the vote count, we can clearly say that the person who has won a greater part of the votes and can freely be described as the president-elect of the Cameroon Football Federation is Seydou Mbomodjoya. After all what has gone on, even before now, after all the social media talks, after all the social media debates, after all the confusions here and there, after all the speculations, after all the things that were said, you know, debates and counter debates, the expression of points, the vexations that we expressed, finally we can see that the man who is taking the day is Seydou Mbomodjoya, and from then we will be expecting to hear him speak. Well, this is not going to be like acceptance speech, but of course his reaction to the press after his re-election. Réaction donc très attendue du nouveau président de la Fédération Camerounaise de football avec tous les responsables des médias, les journalistes qui sont présents ici pour cette retransmission en direct. Il faut dire que c'est un moment très important, Benin. Du football camerounais, un moment très attendu aujourd'hui. Donc c'est comme une sorte de libération de la plupart des acteurs du football camerounais au moment où le secrétariat technique est en train de boucler tous les autres aspects. Vous le pouvez voir sur votre petit écran. On attend simplement que le nouveau président de la Fédération camerounaise de football vienne donc ici pour nous donner ses premières impressions après cette élection. We have to understand that it has been a very, very a long moment when he came up to speak today, because they asked each candidate to be able to say something. When he came up to speak, he said he has seen the delegates, all of them. He's already spoken to the delegates. The delegates are quite aware and conscious of the fact that he has spoken to them, what he gave them. Yesterday, in a special program we had on television, we had the Seydou Mbomodjoya, who was also explaining his program. He said he has been there, he has worked with them, he's received support from the necessary quarters and from the necessary delegates behind him. He said that he has a very wonderful program, first of all, to bring back order, now to gather people around him to build football in Cameroon, but also take it back to the base. Those were the things he proposed to the delegates, and that is why the delegates voted for him. That was just to refresh your mind on what actually Seydou Mbomodjoya proposed that won the hearts of the delegates. But here we have, if it's going to be possible,
when it's possible. The president of the normalization committee, we have a battery of pressmen, cameramen, journalists, all of them right here. But we should have a delegate from the north region, Abubakar Alim Konaté. Maybe he should come in the middle. On peut le dire maintenant qu'il doit être. Maybe he should stand somewhere in the middle, Serge. Tout à fait, il doit certainement être un homme heureux puisque c'est Sedou Momoudia qui est élu et c'est vous le soutenez, c'est bien cela. Bien entendu, je voudrais d'abord féliciter tous les acteurs du football camerounais. Je vous assure, la qualité de ces élections, la transparence, le combat qu'il y a eu, je félicite tous les candidats. Je félicite tous les délégués à l'Assemblée générale pour la qualité de leur tenue et la transparence dans laquelle ce scrutin s'est déroulé. Moi particulièrement, je suis heureux. Nous attendons encore les proclamations, mais au vu du dépouillement, notre candidat arrive en tête avec 47 voix et je crois que c'est une très bonne chose pour le football camerounais. Peut-être qu'on pourra avoir également Joseph-Antoine Bell, s'il vous plaît, qui est deuxième à l'issue de ce scrutin. Joseph-Antoine Bell, qui va donner son point de vue à la presse. Joseph-Antoine Bell, qui ne voulait pas s'exprimer à l'issue de ce scrutin. On comprend, c'est pas... It's not an easy thing to just very quickly accept and swallow the defeat. It's a quite a bitter pill, which definitely is going to take quite a while for to be swallowed. But then Joseph Antoine Bell is second. He had 17 delegates who voted for him out of the 66 that were here, and then Seydou Momoudia had 46 delegates who voted for him. Out of the 66 with Anchinda taking three of them. So it's so clear as far as the vote counts are concerned. We should be waiting there for the official proclamation of Seydou Momoudia as president of the Cameroon Football Federation for the next few years. Il faut également féliciter celui qui a essayé puisque c'est la première tentative. Daniel Mongayamsi, il s'en tire quand même avec trois voix. C'est dire que Maybe we can get Frank Happy to see it work. Pour lui, Frank Happy, qui a décidé de soutenir Joseph Antoine Bell. Frank Happy, à l'issue donc de ce scrutin, vous avez soutenu un candidat, mais vous avez perdu. Quel sentiment? Non, premièrement, le sentiment est un sentiment de déception, mais très très vite, il faut rapidement évacuer. On n'est pas en guerre, c'est pour le foot. Je félicite le président Seydou, qui vient d'être élu brillamment, sans bavure. Et je pense qu'avec ça, il a les coudées franches. Et on espère qu'il va pouvoir s'il vous plaît, monsieur sortir le délégué, notre football définitivement ne vous éloignez pas parce de qu'on la va situation de crise permanente dans laquelle nous étions. Ne vous éloignez pas. Vous j'ai donné qu'on mon soutien pas commencé tôt. Je ne regrette donc pas de l'avoir fait. Immédiatement, et j'accepte s'il vous plaît, clairement délégué. Le verdict de nos collègues. Il faut être, c'est pour ça qu'on est dans le sport. Et maintenant, il faudrait simplement que le président Seydou puisse rapidement mettre tout en place pour que ce plébiscite, parce que c'est le cas de le dire, c'est un plébiscite qu'il a eu, et qu'il puisse le matérialiser en des actes pour redonner des couleurs et redorer le blason du football camerounais. So what kind of contribution will you bring to this new president if he solicits or calls on you? No, I mean any contribution that is needed, I would definitely be available, but for now I think he has a bureau that he has to make. And he worked with the bureau that he has that just elected him. Peut-être que s'il y a une possibilité, on peut prendre également Joseph Antoine Bell en direct, lui qui est en train d'accorder des interviews à d'autres collègues des autres chaînes de télévision. Joseph Antoine Bell qui est donc arrivé en seconde position avec 16 voix Bénin. So we just with the crowd here, Serge, we'll wait for Joseph Antoine Bell to go through, and then we'll be able to receive here in a makeshift studio. Voilà, un autre candidat, Emmanuel Bisson. Emmanuel Bisson qui a décidé de se rallier à Hervé Patrick Tinda. Votre candidat, votre doublure n'a pas donné. Aucune voix, quel sentiment à l'issue. Please come this way. You can come this way, please. So, les élections se sont bien déroulées. Les délégués ont exprimé, bien entendu, leur volonté librement.
et de façon très équitable. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont bel et bien voté, M. Mbonjoya. Vous voyez que la voie de l'expérience a prôné. Si j'avais justement décidé de s'asseoir, parce que j'avais déjà constaté au départ qu'il avait déjà pris une certaine avance sur nous. J'avais demandé d'ailleurs, j'ai appelé à tous les candidats de se mettre ensemble afin que nous construisions ensemble quelque chose de fort. Et bien sûr, M. Seydou venait de me le rassurer que même si c'est lui qui a gagné, le conseil que j'ai donné, il va le mettre en pratique, il va appeler tous ceux qui voudraient bien travailler ensemble avec lui afin que ça se passe bien. May I find out, do you think that at this moment you would have rather hand over your candidacy to some other person or even to Joseph Bell or to Seydou? Do you regret your choice of giving it over to Chinna? No, listen. It's the first time I'm getting in there. We have to learn. We have to learn. There's no magic in it. You have people who've been there for about 25 years. You don't think you come directly and you know what I'm saying? We did a good job, of course, yes. But you know, it's a difficult world. The football field has its own methods, all right? Yesterday evening after assessment, I discovered that we are slow. And I discovered that other opponents had done better job than us. It's just a matter of being honest to ourselves, you know? So I don't regret anything. I want to encourage the new president, the newly elected president, Mr. Mbonjoya Seydou. I would wish that his temper comes down and that he should do a better job this time. And obviously, as he just promised to me a while ago, that together we shall all work together. I hope to see that come through. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. It's not yet over. It's not yet over because the heaviest part of the job is just starting now. The president is just a little part of it, but now to get all the executive committee in place, we might leave here at midnight. Are you expecting a call from him one of these days to join him to build it? I'm not only expecting a call because he just told me, listen, chief, we have to work together. You know. And the electoral process, are you satisfied? The electoral process? I want to say that the maturity which the delegates are exercising is beautiful. You know, there is enough security, there is just no quarrel, there is no problem. The electoral equipment are there, transparency is there, FIFA and CAF, they are existing fully. So I would doubt to see if there should be any complaint after. It would be funny to see that. Everything is going on correctly, please. Voilà, Benen, on va donc attendre la proclamation de ces résultats par le secrétariat technique avant d'avoir en direct le nouveau président de la Fédération Congolaise de football. We definitely have to adjust positions because of the the heat of the moment. The cables are all wrapped around our feet, and so we really need to get a good position. But we surely are going to be bringing to you probably the early reactions of the new president elect, that is Seydou Mbonjoya. And I think we're going to get some more information. So we are still waiting for the official proclamation of the result, where they will officially declare who has won the elections. Of course, we already know from the votes that have been counted that it is Seydou Mbonjoya. But then now we're going to wait for the official proclamation of the results. That is going to be anytime soon. And then we are hoping that we can also get a word from the president elect. Parole donc au président du comité de normalisation qui va procéder à la proclamation des résultats. Just to say that it is not over, they still have to get into the election of members of the executive committee. Executive. And there he is right there, Seydou Mbonjoya. Well, his head should be very, very heavy now as he starts thinking about what to do as the new president.
There he is, Sedou Momojoya. He starts thinking now as the new president of Faker Food. Well, his phone will be ringing, family members calling, friends calling, his close associates calling, partners calling, those who assisted him calling, and those from at home and abroad calling to congratulate him. There is also a lot of movement around here. You can get it from the sound behind around us, because a crowd of cameramen, journalists are all here to pick the pictures, to pick the last reactions, to get every necessary information. So for what is very, very important, we need to repeat it again. For what is very, very important, the new president of the Cameroon Football Federation, to put an end to the long cacophony that has gone on, is Sedou Momojoya. There he is seated with the grey suit, fair complexion. Nous venons de terminer avec l'élection du président de la Fédération Camerounaise de football. La commission électorale, après le dépouillement qui a été effectué ici publiquement, tout comme le vote, la commission électorale a obtenu les résultats suivants. Suffrage valablement exprimé, 66. Ah pardon, excusez-moi. Nombre de votants, 66. Suffrage valablement exprimé, 66. Bulletin nul, 0. Abstention, 0. Pourcentage exprimé en faveur des différents candidats. J'y vais. Suffrage et pourcentage, je les donne en même temps. C'est ça? Non, attends. Pourcentage. Je l'ai dit, suffrage valablement. Monsieur Joseph Antoine Bell, 17 voix, soit 25,75%. Monsieur Mabouan Kessak, 0 voix, soit 0%. Monsieur Sedou Momojoya, 46 voix, soit 69,69%. Monsieur Monge Nyamsi, 3 voix, dont 4,56%. Monsieur Chinda Hervé, 0 voix, soit 0%. Et donc, élu président de la Fédération Camerounaise de football, Monsieur Sedou Momojoya. Ladies and gentlemen, here is the new president of the Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, et compte tenu de l'heure à laquelle nous avons démarré ces travaux, nous allons immédiatement poursuivre avec les élections des membres du comité exécutif. Now we're getting into another crucial part. Je vous remercie. That has to do with the election of members of the executive committee. You will have to come in, and then of course besides that, you're also going to have when I talk of members, I also talk about the different committees to be voted in. So any moment from now, we should be getting Sedou Momojoya, who should be able to talk to us and to tell us, first of all, his expressions. Was he surprised? We'll get to find out from him as the newly
elected president of the Cameroon Football Federation. It has been a tough moment. What did he tell the delegates that voted for him? Of course, we are going to hear that he just shared with them his program. But let's find out will we succeed to get him to come and talk to us in just a few minutes. S'il vous plaît, nous allons donc, en remerciant infiniment les journalistes de leur patience et de la couverture médiatique de cette cérémonie, nous allons poursuivre avec les élections des membres du comité exécutif. Je voudrais une fois de plus féliciter les candidats par rapport à l'image qu'ils projettent à l'extérieur et même parmi nous. Alors je souhaite que pour les élections des membres du comité exécutif, nous restions dans cette logique pour nous convaincre effectivement qu'on a pris le virage du changement. Merci de votre attention. Merci également au président du comité de normalisation de l'Africa Foot, alors que tout se met en place ici pour que nous puissions recevoir donc en direct le nouveau président de la Fédération Camerounaise de Football, c'est Doumbo Mondéa. Sa première réaction, c'est d'un moment à l'autre parce que nous allons pouvoir céder la place au nouveau président qui va s'exprimer devant les caméras de télévision. S'il vous plaît, messieurs, mesdames et messieurs les journalistes qui se sont mobilisés ici au centre d'excellence de la Confédération africaine de football ici en Bankomo pour avoir donc cette première réaction du président de la Fédération camerounaise de football. It's quite a crowd of pressmen with all cameras. I think the heartbeat of the country is right here today. But that is going to be in just a few seconds. The journalists are all coming out of the hall because, of course, they now they need to come out of the hall to allow the team to elect other members of the executive committee and then president and the different commission members. That is what we should be getting in a moment from now. Sidi Momonjoya to come and give us his reactions, talk to the press. His first words to the press as the president of the Cameroon Football Federation. Mesdames et messieurs les délégués, nous allons poursuivre le processus électoral par l'élection des membres du comité exécutif. Comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure concernant l'élection du président de la FECAFOOT, il n'est pas nécessaire de revenir sur les dispositions juridiques, notamment les dispositions statutaires et les dispositions du code électoral qui réglementent cette élection, parce que c'est pratiquement c'est la même chose pour l'élection du président de la FECAFOOT et l'élection des membres du comité exécutif. Donc je vais juste vous expliquer quelques dispositions pratiques concernant le bulletin de vote pour voici. Donc il s'agit du bulletin unique. Et vous avez les candidats qui sont la liste des candidats par région. À titre d'exemple, pour la région de la Damawa, il y a un siège. S'il vous plaît, on en aura encore plus derrière. Et il y a un seul candidat qui a été enregistré. Vous avez par le choix. Soit vous laissez la CATI faire son. Donc si. Non, c'est pas un coche simplement. Si vous voulez voter pour ce candidat, vous cochez. Mais si malgré le fait qu'il est candidat unique, vous n'avez pas, vous ne pouvez pas lui donner votre vote, vous n'êtes pas obligé de le cocher. Mais qui parle de parce qu'il y a quatre régions qui ont deux sièges de pouvoir. Il y a la région du Nord, la région de l'Ouest et la région du Littoral. Pour la région du Centre, vous verrez qu'il y a cinq candidats en liste. Et les cinq candidats sont en compétition pour deux sièges. Donc, vous ne devez cocher que deux cases devant deux noms des cinq candidats, deux noms sur les cinq candidats qui sont enregistrés auprès de la liste de la région du Centre. Pour la région du Centre. Deux noms de votre choix. Deux noms de votre choix. Et c'est la même chose pour ce qui est de la région du Littoral. Parce que pour le Littoral, vous avez cinq candidats, deux sièges en compétition. Donc, vous ne pouvez pas cocher plus de deux cases. Si vous cochez plus de deux cases, vous êtes éliminé. So far, finally, we have here the president nous avons le président de la Fédération Camerounaise de football, le nouveau président de la Fédération Camerounaise de football.
qui va donc répondre aux questions des journalistes. D'abord, votre déclaration, votre sentiment après cette élection. Écoutez, je voudrais d'abord vous dire que je suis très heureux d'avoir gagné cette bataille. Je voulais avant toute chose remercier le Dieu Tout-Puissant de m'avoir donné la force pour arriver à ce résultat, à gagner cette rude bataille. Comme vous le savez, ça a été une bataille extrêmement difficile, mais elle est arrivée à son terme aujourd'hui avec mon élection à la, la tête de la présidence de la Fédération Camerounaise du Football. Puis j'aimerais remercier mes pères délégués qui m'ont fait confiance, qui m'ont accordé leur confiance aujourd'hui, et dire combien je suis touché par cette confiance et combien j'apprécie le fait qu'ils aient répondu à mon appel. Cet appel que j'ai lancé tout le long de la campagne en leur demandant de se joindre à mon projet, d'adhérer à mon projet pour qu'ensemble on puisse, n'est-ce pas, rassembler, rebâtir, reconstruire notre football sur, sur la base de certaines valeurs telles que l'éthique, la bonne gouvernance, et puis également la professionnalisation de notre football. J'aimerais également remercier les institutions fêtières telles que la CAF, la FIFA, qui ont su être patients et qui ont ménagé aucun effort pour accompagner le Cameroun à sortir de cette longue crise qui n'en finissait pas, cette longue léthargie, et je tiens à le dire et à le remercier. Vous êtes présenté comme. Je voudrais également remercier le gouvernement de la République pour tous les efforts qu'ils ont faits, pour leur patience et leur accompagnement intelligent à ce long processus de normalisation qui aujourd'hui est arrivé à son terme. Et nous remercions, je remercie infiniment le gouvernement de la République pour cette implication dans ce processus également. Donc, pour terminer, je crois que j'aimerais également dire une chose très importante, c'est que je suis aujourd'hui le président de la grande famille du football camerounais, et sans exception. Et je rends hommage à mes adversaires avec qui nous avons livré une bataille extrêmement difficile, mais cordiale et très fair-play, peut-être avec un débordement. N'oubliez jamais que le football est une passion et que la passion n'a pas de limite. Et je comprends cela et c'est pour ça que je n'ai pas répondu à ces invectives ou autres. Aujourd'hui, je suis le président de toute la famille du football camerounais, sans exception. Et j'invite tous ceux qui ont un sens de patriotisme à se joindre à notre équipe, à se joindre à tous ceux qui ont adhéré à mon projet pour relever ce défi, relever ce bateau à la dérive, ce bateau fécafoot qui est à la dérive, et ensemble, pour le bien de la nation, pour le bien des jeunes, pour le bien de la jeunesse sportive, ils doivent faire cet effort, y compris ceux qui se sont plus ou moins égarés. Je suis le président de l'ensemble de la famille et je compte rassembler dans les prochains jours autour de moi. Je vous remercie. So let's find out from you, Mr. President. Okay. You have just been elected. What Seydou Bomodjo to take over the federation now? Which kind of person takes over the federation? First of all, please let me thank the Lord for this, to have given me the power to enable me to achieve this program, this very difficult campaign. And secondly, I would like to thank my colleagues, delegates, who has put in all their will on me, their confidence on me. I really appreciate that. That's a sign that all along this campaign, I have managed to convince them on what is
what how necessary it is for us together to go to the changement, because after 5 years of crisis, enough is enough. We have now to do our best to rebuild and reconstruct our football, and to professionalize the football, change the governance, and believe me, first thing to put the ethics reevaluate the ethics, which is very important, because you know we have turned our back to ethics for long years, and times I arrived today to reevaluate the ethics. I would like to thank FIFA and CAF for all the patience that they had on to help towards the Committee of Normalization, that I also congratulate at the lead by the President Happy for the excellent job that they have done, and that we are very satisfied. And let's thank FIFA and CAF for all their patience. I also want to thank the government of the Republic for all the implication that they have, the intelligent implication that they had in this crisis. And so I think it's today my only will is to say to my competitors that I really appreciate to fight for this fight with them, and they are welcome. I'm the president today. I'm the president of the federation, who is the head of the family football, and I have to be paternalist. I have to take all of them, and they are ready. I'm ready to work with all of them. They are welcome, because I'm the president of all the président people. Peut-être d'abord vos priorités. Vos priorités. As a can of worms, today you are leading that federation you refer to as a can of worms. How do you intend to redress that federation? No, this is the past. I don't want to come back to the past. This is as a past. I have apologized for this word, but now it's past. Today we are really in the very difficult situation. We have to reconstruct. And I know what is not going well, and we will construct on the basis of certain values like ethics and new governance, with a new body of governance. We will have to challenge to take this challenge and to reconstruct our football. Président, vos priorités, vos priorités. Non, je voudrais parce que je voudrais simplement, parce que vous me mettez la pression, je voulais seulement rappeler que je n'ai pas pu terminer mon propos tout à l'heure. Je voudrais également rendre hommage au comité de normalisation qui a fait un excellent travail, à la tête duquel se trouvait le président Happy et son équipe, qui a fait un excellent travail, et je pense qu'aujourd'hui ils ont leur part, n'est-ce pas, de succès dans ce processus qui arrive à son terme. Je tenais à leur rendre hommage publiquement, et je tiens à le dire et je le rappelle aussi. Quelle est votre question maintenant? Quelles sont vos priorités, Président? Écoutez, je suis élu il y a encore 30 minutes. Vous avez ma profession de foi. Je reviendrai là-dessus probablement dans une conférence de presse, parce que la transparence sera de mise dorénavant, et je pense que ça évitera des déformations ou la désinformation, si j'ose dire. Et comme ça, vous aurez à dire des vérités, non pas des choses. Thank you very much. We've come to. Merci beaucoup. Nous avons donc eu en direct. We should say at this moment, Serge Fouazgué. It has been a very very tough moment breaking through with those interviews. So we want to say thank you very much for staying here at the CAF Excellence Center here in Bankomo. Thanks for all those who have been following. Thanks for the battery of technicians who have been here. Under the director Anatole Ngoube, thanks to the production assistants of all those who have been very, very much involved. Thanks to all the battery of reporters. Thanks to you, Serge Fouazgué. And thanks to you, Fonka Mutabo Bene and Rachel Jock Malongo, for staying on right up to this moment. Fonka Mutabo Bene, I think we should pass over to you now, Serge. Tout à fait, juste pour préciser que l'élection se poursuit avec les autres membres du comité exécutif de la Fédération Camerounaise de football. Et tous ces détails-là, vous les aurez
dans les journaux télévisés en français et en anglais. À vous, Fonka Mouta, à vous, Rachel Malonga. Merci Serge, merci Bénin. On a suivi ces moments forts de l'AG, l'Assemblée Générale Élective de l'Afrikafoot, qui vient d'élire son président, Seydou Bombondjoya, avec 69,69% pour 46 voix sur 66. Mais vous restez en notre compagnie, Emmanuel et moi allons quitter ce plateau, mais vous resterez en compagnie de Fonka Mouta Bobernard et de ses invités. Il sera encore question de première analyse au cours de Twilight qui va débuter dans quelques instants seulement après le journal télévisé de 18h. Dès le 1er janvier, CRT News passe sur le canal 306 de Canal Sat. Another edition of Twilight, news and parlons de la tabacie. Le serpent de bronze filme CRT News. Ici, toute l'info. Dès le 1er janvier, CRT News passe sur le canal 306 de Canal Sat. Another edition of Twilight, news and parlons de la tabacie après. Le serpent de bronze filme CRT News. Ici, toute l'info. CRT News, ici, toute l'info. Mmh.